Salut tout le monde, c'est Ximnute et on se retrouve dans le monde merveilleux avec des vieilles textures et des espèces de dindes géantes de Outcast. Donc après la précédente vidéo sur laquelle on a fait plutôt, voilà, on a fait de l'introduction, on nous a dit voilà, on doit retrouver nos potes, on doit retrouver une vieille sonde et on doit accessoirement libérer le monde dans lequel on se trouve actuellement. On a aussi fait un petit peu du tutoriel et maintenant on va se lancer vraiment dans l'histoire. Donc on va aller parler à ce plaisant autochtone. Salut. Salut tout le monde. Ah, tu as l'air mieux, Ulukai. On se connaît. Et comment? Alors, tu vas pouvoir aller trouver Shaman Zeb et partir à la recherche des mondes dans les régions. Fais attention, tous les soldats sont à ta poursuite. Tu ferais mieux de rester au Shamazar jusqu'à ce que tu te sentes prêt à voyager dans les autres régions. Tu peux aller dans la région que tu choisiras dès que tu non. le voudras. Non, t'approches pas trop la caméra. Merci pour tes conseils. C'est un honneur pour moi de t'aider, Ulukai. Autre chose, certaines Daoka mènent directement dans des camps militaires. Ah, c'est bon Il à savoir. Il serait plus prudent que tu ne prennes que celles qui te mènent à des endroits moins dangereux. Ok, je m'en souviendrai. Alors, je ne te retiendrai pas plus longtemps, Ulukai. Shaman Zeb t'attend au village à l'ouest si tu veux. Je peux t'y emmener. Putain, mais c'est quoi cette grosse mouche là? Bah, je te suis, mon pote. Tu veux me conduire? Oui, si tu veux. Bah, je veux bien. Ok, je me sentirai moins seul. Je vais te montrer quelques endroits sur le chemin, suis-moi. Ok, ok, je te suis. Ah, mais il court l'enfoiré. Alors, c'est notamment, à mon avis, dans cette vidéo qu'on va commencer à voir que le monde de... du Shamazar et d'Adelpha n'est pas complètement pacifique. Notamment, vous avez vu l'espèce d'araignée dégueulasse, là, qu'on avait en bas. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo va bien passer. Niveau... voilà, frame par seconde, niveau son. Normalement, j'ai essayé de faire gaffe. Alors là, vous voyez les mecs au fond, là. Alors, eux, c'est des méchants. Alors, attendez. Bon, il a pas envie de s'arrêter. On les reverra plus tard, de toute manière. Oh, mon Dieu! Mais avec cette musique, en plus, mais c'est tellement beau! Putain, je kiffe ce jeu. De toute façon, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, hein, le remake HD, ça va être en stand-by. Hein. Même si j'ai regardé quelques... Ils ont commencé à publier, hein, notamment vu que le jeu va bientôt sortir, ils ont publié quelques... Oh! Alors le jeu a une musique dynamique et ça, je sais que ça c'est la musique des combats. Je sais pas s'il y a des méchants qui nous ont repérés. Ça c'est pas un méchant là, les mecs avec les chapeaux de coulis comme ça là. Non, eux c'est des méchants là, mais on s'en occupera plus tard. Bon, l'autre il veut pas avancer. Donc oui, pour revenir un petit peu sur les vidéos de... Oui, j'ai pas perdu cette sale habitude de commencer une phrase, d'en commencer une autre et de plus savoir où j'en suis. Ok, bon j'avance. Donc oui, je vais essayer de justement de combattre cette sale habitude. Les vidéos de preview qui ont été publiées, je trouvais qu'elles avaient quand même des animations un petit peu dégueulasses. Enfin, pour un jeu de 2017, encore, le voilà. Le temple de fées est au nord d'ici. Les soldats de Proax sont nombreux là-bas. Je te déconseille d'aller. Oula. Merci du conseil. Bah merci, mon pote, ouais. Le temple de fées est l'un des quatre temples. Mais recule-toi un petit peu, s'il te plaît. Les trois autres sont plus petits et sont au nord du temple de fées. Allons maintenant. Donc ça, c'est le temple de fées, à mon avis, là, parce que on voit les Daoka. Il y a les méchants qui sont autour, donc voilà, il faut pas aller trop proche. Voilà, là, c'est le village des gentils, où on va aller voir le Shaman Zeb. Alors, voilà, beaucoup de noms en Z et en S. Il va falloir qu'on essaie de pas trop se mélanger. Donc oui, avant que l'autre phase de pixels m'interrompe, je disais que les vidéos de preview avaient des animations un peu dégueulasses pour un jeu de 2017. Donc j'espère qu'ils auront le temps de corriger ça. Alors c'est vrai que voilà, les textures, voilà, le style graphique, il n'y avait pas trop de problèmes. Le village est un peu plus à l'ouest. J'espère que Shaman Zeb pourra t'aider. Mais attendez, c'était okay, Shaman Zeb. Merci pour la visite. Tout l'honneur est pour moi, Ulukai. Attends. Encore un conseil avant de... Non, mais j'aimerais bien finir ma phrase sur les previews, là. Des convois de marchandises traversent les régions d'Adelpha pour approvisionner les soldats de Ferran. Arrête-les quand tu en rencontres. Cela finira par affaiblir les soldats. Hmm. Ok, j'essaierai. Mais ce jeu,
que les yachts entendent, Urukai. Ce jeu, mon dieu. Mais je vais encore paraphraser Benzaï, mais franchement, j'ai aucune honte à ça, mais la cohérence de l'open world. Parce que ce jeu est open world, hein, ce jeu de 1999, franchement, te laisse aller à peu près partout. Et putain, qu'est-ce que c'est beau. Mais je vais arrêter de le dire. Alors, il y avait un petit truc quand même qui a fait un petit peu débat sur le remake que Apple est en train de préparer. C'est sur le nouveau style de Cutter Slade, parce que c'est toujours le même personnage, hein, c'est vraiment la même histoire. Mais voilà, Cutter Slade maintenant, eh ben, il a la tronche de Nathan Drake. Alors que si on regarde sa tronche, là, bon, disons qu'il a un peu plus de cheveux, mais on dirait vraiment Bruce Willis. Donc ce qui est cohérent avec la voix, quelque part. Mais, laisse-moi passer. Donc oui, voilà, c'est vrai que le nouveau look fait quand même pas trop... Enfin voilà, fait pas que des heureux. Et moi-même, j'étais. Alors, je suis pas contre. Je suis pas forcément pour voilà qu'on colle forcément au style du jeu, mais c'est vrai que des simili Nathan Drake, voilà, avec la coupe en brosse et tout, on en voit partout. Je trouvais que c'est quand même pas méga original. Alors après, j'imagine que c'est pour le marketing, mais j'étais quand même un petit peu déçu de ça. Mais bon, si c'est le seul défaut du remake, franchement, ça me va amplement. Oula. Non mais monsieur, si votre frigo marche pas, c'est pas de taper dessus qui va faire quelque chose, hein. Ah, en fait, non, il répare pas son frigo. On va lui parler. Salut. On peut se voir un instant? Hein, toi et moi? Ça va? Enfin, Urukai est arrivé. Ah, mon père serait fier de savoir que je t'ai rencontré. Ah bah, merci. Sans blague. Et Urukai. J'adore cette voix, c'est absolument parfait. Patrick Poivet est un grand doubleur, mais pour ce personnage, c'est absolument parfait. Et le truc, c'est que je n'ai même pas écouté ce qu'il me disait. C'est quoi un recréateur exactement? Nous sommes quelques rares Talan et Louis à pouvoir recréer de simples objets après les avoir étudiés avec notre essence. Nous créons des armes pour les soldats de Ferran depuis des millénaires. Contre votre volonté, je suppose? En effet, Urukai, pour te le prouver, je t'offre mon aide au nom de tous les recréateurs. Tu n'auras qu'à me montrer un des objets sacrés qui te servent de recharge et nous essaierons de le recréer pour toi. Comment t'es au courant de tout ça? Tous les Talan en ont, Urukai. Nous les avons examinés et nous sommes capables d'en recréer certains avec des matériaux d'Adelpha. Si tu veux en savoir plus sur les recréateurs, va voir une à Okliana. Tu peux me fabriquer des armes? Désolé, Urukai. Les armes que nous savons fabriquer doivent être activées par l'essence de Talanfé, les soldats par exemple. D'après ce que je sais, tu ne possèdes pas cette essence. Tu ne peux donc pas les utiliser. J'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. Donc les armes, contrairement... Alors là encore, bravo pour l'intégration. Plutôt que de rendre le truc complètement incohérent avec des munitions qui pop dans un monde qu'on est censé pas avoir existé, là, ils vont te mettre des mecs qui sont des sortes d'artisans qui vont recréer en regardant. Et c'est complètement logique. Le mec, c'est un artisan. Il regarde ce que tu lui montres et avec son talent, il va arriver à les recréer. Donc, encore une fois, 20 sur 20 sur jeuxvideo.com pour Outcast. Par contre, les armes, donc c'est un truc qu'on verra progressivement. C'est des trucs qu'on va devoir acheter dans le jeu ou sur lequel on tombera, c'est un truc, c'est des armes, voilà, qu'on trouvera progressivement quand on se baladera dans le jeu. Alors, recharge arme. De quoi as-tu besoin pour me fabriquer des recharges? C'est vrai, allez, apporte-moi dis-moi. Apporte-moi juste un échantillon de ces recharges. Les recréateurs que nous sommes sauront alors ce dont tu as besoin. Nous te dirons quel est le matériau d'Adelpha qu'il nous faut pour les recréer. Allez, qu'est-ce que tu peux fabriquer? Bon, pour l'instant, on n'a que le HKP12, donc voilà. Tu peux fabriquer ça? J'en ai déjà vu, oui. Apporte-moi ces objets pour que je t'en fabrique un conteneur entier. Un nélidium vert et un métal. Alors, je crois... Ah, je peux créer que deux packs de munitions. Donc, il va falloir... Donc, les nélidium verts, vous avez sûrement vu ces espèces de cristaux qu'on voyait et que... Je crois que l'espèce de d'ordinateur là, il dit voilà, source d'énergie détectée. Et puis le métal, bon bah c'est tout simplement du métal. Donc c'est des trucs qu'on va ramasser progressivement. Ça suffira? Oui, je vais pouvoir faire ce que tu me demandes avec ça. Laisse-moi un peu de temps. Allez. Autre.
Ouais. Bon, on va voir si les souverains qui sont intéressants bon, qu'il y a à nous dire. L'hélium vert, je trouve. Ah, ça c'est intéressant par dans contre. Dans les régions d'Adelpha, Ulukai, ces cristaux poussent sur le sol comme des plantes. Ça n'a aucun sens. Les cristaux, ça ne pousse pas, monsieur. Bon, on va le laisser bosser. Alors, on va trouver celui, le chamas. Alors, Keb ou Zeb ? C'est peut-être moi qui ai mal entendu. Ouh, lui, il a l'air intelligent, ça doit être lui. Très sympathique votre sprite de bibliothèque, monsieur. Hein. Salut, ah, c'est bien ça, c'est le chamas Zeb et pas Keb. On peut se voir un instant ? Salut. Salut. Oh, les yachts ont sorti du sommeil, je suis ravi. Merci. Et à propos du Mon ? Je sais pas pourquoi j'ai dit « ouah ». J'attends cette lune depuis que je suis tout petit. Enfin, je rencontre le Luka. Génial. Et le Mon ? Ah oui, le Mon. J'ai bien peur d'avoir un aveu à te faire. Je le sens mal. Oula, je le sens mal. Oui, Luka. Je ne sais pas où est le Mon. Pardonne-moi, mais le chamas auquel j'ai succédé a été réintégré avant de me livrer de secret. C'est pas grave, vu le bol que j'ai en ce moment, je m'y attendais. C'est violent dans la région. Attends, depuis quelques lunes, un Talan du nom de Narn cherche aussi le Mon. Son ami a été réintégré par Gorax. Comme il croit que le Mon est une arme très puissante envoyée par les Yods, il essaie de se l'approprier. Et alors, il trouve ? J'avoue ne pas savoir. Je ne l'ai pas vu depuis la dernière lune. Mais il faut que je le retrouve pour calmer le feu qui dévore son essence avant qu'il ne réintègre Croax. Il me semble que Croax le mériterait bien, non ? Non, Ulukai. L'essence d'un Talan souffre lorsqu'il réintègre un autre Talan. Ce Talan a raison. Allez, on va en savoir un petit peu plus, voilà. On va en apprendre un petit peu plus sur le monde. Alors, réintégrer, tiens, c'est un truc dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Parle-moi de la réintégration des Talan. Lorsqu'un Talan est réintégré, son essence retourne au Yod qui la lui a donné. Comment ? Par exemple, l'essence d'un Talan fait réintégré par le feu retourne au Yod fait. Vous les brûlez vivants ? Non. Et si un Talan meurt en paix, son essence reste à l'intérieur du corps, jusqu'à la cérémonie de réintégration. Celle-ci permet aussi de faire apparaître la destinée du Talan. Nous l'appelons Azadès. Sympa oh, comme... Oh, vous regardez trop X-Files. C'est bel et bien un jeu des années 90. Azadès, c'est quoi ça ? C'est quoi une Azadès ? Voir l'Azadès comme l'essence qui quitte le corps d'un Talan... Elle voyage. Bon, pour ceux qui veulent de l'action, hein, vous inquiétez pas. Plus on avancera, moins il y aura de blabla et vous aurez des fights, vous aurez des coups de feu. Tu devrais demander à Zéo. Il est au plus haut essence, au nord-est du temple de fées. Tiens, Ferran, c'est le méchant. Parle-moi de Ferran. Je ne sais rien d'autre, Ulukai. J'aurais aimé pouvoir t'aider. Chamas Mazoum devrait en savoir plus. Il est plus vieux que moi. Tu pourras certainement le trouver au temple d'Eloui, à l'extrême nord du temple de fées. Temple de fées. Tout le monde m'en parle. Que peux-tu me dire sur le temple de fées ? Non, je sais pas ce que c'est. À l'origine, les quatre temples des essences étaient identiques. Mais lorsque Ferran a pris le pouvoir, il a décrété que le temple de fées devrait être le symbole de sa toute puissance. Il l'a fait reconstruire ? Oui. Maintenant, c'est le plus grand de tous. Croax dispose de deux Daoka à l'intérieur du temple. Elle mène au camp militaire d'Okasankar et du Motazar. À ta place, je ne m'en servirai pas tant que les deux ne sont pas sûrs. Il y a toujours des soldats de l'autre côté. Merci du conseil. En général, Croax est au temple de fées pour donner ses instructions aux soldats. Si le Mon est bien là, ce ne sera pas facile. Parle-en à Zalinas, il doit être le village. Non mais arrêtez avec tous ces noms là, j'ai deux joies, je dois aller, déjà aller voir le mec qui s'appelle Marne. Maintenant je dois aller voir Zalinas. Les Mon. Tu ne sais pas du tout où est le Mon. Le chamas qui m'a précédé le savait. Mais il n'a plus de temps. Mince.
Bon, le mode encore, on sait déjà ce que c'est. Croax, on sait déjà. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? Non, ça c'est des trucs qu'on sait déjà. Narn, tiens. Narn, ça, on veut alors, savoir. Tu ne sais pas où est Narn? As-tu vu Ilot? C'est à lui qu'il faut. Ok, demandez à Ilot pour trouver Narn. Mais je n'ai pas vu Narn depuis sa dernière visite. Son frère Ilot est dans les champs de riz, à l'extrême nord du village. L'essence. Dis-moi plus sur les essences. Je ne connais que les fondements. Il y a quatre essences. Ka, Fé, Eloui et Ganda. Elles sont le mec, il a 120 000 ans et il connaît que la base. Pour les détails, et en plus, il sait pas où se trouve l'objet de la quête. Moi, je débute et j'ai bien peur. Donc, t'as pas vraiment la tronche de débuter, mon pote. Les... Tiens, on sait déjà un petit peu des trucs sur les iodes, mais je suis curieux. Les iodes sont les créateurs de toutes les essences ou cailles. Bon, de toute façon, c'est vous saoul, hein, vous pouvez toujours skipper, hein, vous avancez de quelques minutes et on retournera dans le feu de l'action. Allez, tiens, on va lui demander qu'est-ce qu'il connaît de ma réputation. Que pensent les Talan de moi? On ne peut plus dire s'il t'adore ou te déteste. Bon, en gros, c'est que j'ai fait aucune action, donc pour l'instant, on ne sait pas si, pour l'instant, ils ont aucune opinion sur moi. Alors, on a trouvé le Shamas Keb. On va voir ce qu'il y a un peu là-dedans. On peut pas se battre à main nue. Ah, si, on peut. Ah, il peut pas foutre un coup de pied dans ce truc là. Bon. Je me demande si on peut utiliser. Enfin, je sais qu'on peut utiliser ces montures, mais je sais pas si à ce stade du jeu c'est possible. Alors là, il y a toujours personne. Donc on va retourner voir le recréateur pour voir s'il a. On va voir s'il a fini de recréer mes trucs. On peut se voir un instant? Tu as fini? Oui, Ulukai. Que cela t'aide dans ta quête. Merci, mon vieux. Ça veut dire quoi, aide? En quoi pourrais-tu encore m'aider? Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais que chaque région fournit des choses différentes à Ferran? C'est bien ce qu'il me semblait. En plus de te fabriquer des recharges, nous, les recréateurs, avons pensé à quelque chose. Ah oui, j'écoute. Si tu réussis à convaincre les chefs de chaque région d'arrêter de produire des marchandises pour les soldats, tu gêneras ceux qui t'empêchent d'arriver au monde. Vraiment? Merci. Mark est dans ce village, par exemple. Tous les Talans craignent parce qu'il suffit d'une critique de sa part pour qu'un Talan disparaisse à jamais. Mais Mark est stupide et il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Que puis-je faire? S'il acceptait d'arrêter la production de riz, tous les autres Talans suivraient volontiers. Mais il te faudra d'abord les convaincre, ainsi que Mark, que tu es bien Ulukai, celui qu'on attendait tous. Ok. Donc ça nous fait une autre mission. Donc, il faut qu'on retrouve alors l'autre qui s'appelle Levinas, là j'ai oublié son nom. Il faut qu'on retrouve Narn, parce que c'est lui qui cherche le Mon, et il faut qu'on aille voir le gros qui menace tout le monde. Autant dire qu'on va être bien occupé les amis, et que ça va pas être une petite série. Je sais plus combien de temps j'avais mis pour finir la vidéo précédente. Alors. C'est qui? Ah, ça c'est le Shamas Mazoum, mais on s'en fout. Alors, on nous avait dit de trouver Ilot, qui va nous dire où trouver son frère Mar. As-tu vu Ilot? Remonte vers le nord, il revient pas. Mais... Espèce d'enfoiré. Tu mériterais que je te dénonce au Ferran là. Non mais le mec, je viens l'aider, il me jette comme une merde. Tiens, c'est peut-être eux là-haut. Ou le mec avec son truc rouge là, ça doit être le chef. Salut. Salut à toi, Oulo. Oula. Comment tu vas cette lune? Ça a pas l'air d'être une flèche. Ulukai plutôt, non? C'est ce que j'ai dit, non? Ok. Mar sait ce qu'il dit. Mar est chef de tout Shamazar.
Ok, je pense que ça va être facile. Parle-moi un peu. On va laisser la manier un peu. Shamazar est mieux de toutes les régions d'Adelpha. Karmar est là. Et qui t'a placé là? Croax. J'ai toujours croire que copain Croax était méchant à l'âme. Mais une lune, il me demande comment dit Shamazar. Voilà. Il est gentil, hein? Aucune idée. Mais pourquoi toi? Parce que Mar est le plus intelligent, Olubai. Ça fait aucun doute. Ça doit être pour ça. Il dit aussi, comment qu'il dit déjà? Ah, que moi, pas provoquer une révolte, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il manque plus que le bruit des bottes, hein. Et tu fais quoi exactement? Un dirigeant syndical idéal. Et je dis à copain Croax combien d'ouvriers ont pas fini le travail à fin de chaque lune. Il arrive quoi à ces ouvriers? Je crois qu'ils les emmènent pour parler ou quelque chose comme ça. Ils reviennent jamais. On leur donne sûrement autre travail. Ben oui, nourrir les vers de terre par exemple. Tu crois que c'est travail intéressant? Je devrais peut-être essayer. Ok. Les négociations vont être compliquées. Tu sais quoi sur le RIS? Tout le RIS est pour soldats. On garde un peu pour nous, mais copain Croax dit que RIS ralentit les ouvriers. Mais pas les soldats, bien sûr. Quoi? Rien. Si soldats n'ont pas RIS toutes les lunes, copain Croax s'énerve. Et soldats sont tout faibles. Je dois éviter ça. On a besoin de soldats pour nous protéger. De quoi? De... quelque chose. Je sais pas. Ah, commence à toucher un point sensible, là. À me dire sur les soldats. Ils nous protègent de quelque chose. De quoi? Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'il leur faut beaucoup de RIS. Quand ils n'ont pas, ils deviennent tout faibles. Alors, est-ce qu'il va nous écouter? J'en doute. Comment pourrais-je te convaincre d'arrêter la production de RIS? Non, je crois pas qu'ils sont d'accord avec leur chef adoré, là. Pourquoi? Ils veulent tous que la pierre des essences est retrouvée. Je n'ai jamais vu pierre. Mar veut voir jolie pierre. Alors c'est marrant parce que voilà, je me demandais pour le chef là s'il y avait un problème de texture, mais c'est vraiment ça, ils ouvrent pas la bouche en fait, il y a juste la texture qui bouge. Alors c'est quoi à cette pierre? Dois-je parler au sujet de la pierre des essences? Tu parles avec Zéo de ça. Ah, alors parce que là j'avais peur de tout perdre là, mais visiblement là j'ai entendu la voix, visiblement il y a un carnet de mission. Alors attends, comment est-ce que j'ouvre ça? Un EVD, donc NASA c'est des jumelles, un fruit étrange, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, un medikit, bon bah c'est assez simple, ça c'est des trucs qu'on peut trouver, ça c'est des trucs qu'on trouve par terre, non, ah oui ça c'est pour faire une carte. Donc on voit, donc le truc assez classique, hein, en rouge, ce sont les ennemis, bleu et jaune, je crois que c'est des trucs plus ou moins neutres, bleu c'est les objets c'est les trucs intéressants. Ah bah tiens, là on les voit au fond là. Ah bah attendez, si on utilise les jumelles, on a peut-être moyen de voir un truc. Donc là effectivement ça, les mecs avec leurs espèces d'uniformes noirs comme ça, c'est les méchants. Là, c'est des objets intéressants à récupérer. Ça, c'est des méchants aussi. Ok. Alors, comment on ouvre le carnet de mission? Bon, c'est pas très grave. On va prendre notre flingue. Non, c'est pas le bon. Voilà. Bon, on a toujours pas trouvé Ilot. Excuse-moi, mon gars. Ah mais non, il m'avait dit qu'il faut que je trouve Zéo. Non mais oui, c'est à toi que je parle. Tu sais quelque chose sur la pierre des essences? Oui, Ulukai. C'est là où se tenait le premier Talan lors de sa conversion. Moi aussi, j'aurais aimé être converti dessus. Alors, trouver Talan. Alors, il faut que je trouve... Narn. As-tu vu Narn? Ah non.
Non, pas cette lune. Non, Narn, c'est le mec qui n'arrive pas à trouver. Il faut que je trouve Ilot. J'espère seulement que les soldats ne l'ont pas réintégré. Alors, trouver Talan. Ilot. As-tu vu Ilot? Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il est plus au nord. Au nord, ok. Et le dernier, il faut que je trouve Zéo. Pour cette histoire de pierre des essences. Je cherche Zéo. Il est au puits aux essences. Va voir à l'extrême nord-est du temple de fées. Ok. Alors par contre, le nord, c'est où? Parce que la carte, elle bouge là. Ah bah attendez, non, en haut. Alors, nord. Le nord, c'est par là. Donc le nord, c'est proche des méchants. Alors, je vais voir si je peux choper une des bestioles là. Non, je peux pas, visiblement. J'ai pas encore le droit. Ou alors, il faut que je chope une... Non, je pense qu'il faut qu'il m'en faut une avec une selle. Bon. On va essayer d'y aller discrètement. Eh, mais attendez, là, il y a une espèce de... Il faut que j'aille les voir, que je les persuade d'arrêter de bosser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais attendez, c'est des méchants, ça. Bon. C'est pas passé grand-chose dans ce jeu, donc... On va commencer un petit peu à s'activer un peu. Merde. Merde. Wouah, c'est quoi ces armes de fou, là? J'ai plus de balles. Non, on nous avait dit, voilà, si on désactive les... Ah, si j'ai des problèmes de caméra aussi, je crois que je vais pas m'en sortir. En plus, j'ai l'impression que j'ai vraiment une arme merdique. Ça leur fait rien du tout. Ah, c'est bon, j'en ai eu un. Ok, j'en ai eu un deuxième. Non, toujours pas. Non, il se tire dessus en plus. Ok. Allez, on pille leur cadavre maintenant. Alors visiblement, ça n'a pas alerté leurs potes par contre, ce qui est plutôt une bonne chose. Je sais pas sur quoi j'ai buté là, mais... Alors attends. Donc... On va essayer de pas trop s'avancer là, on va pas aller titiller les autres, ils ont l'air plus balèzes. Bon, au moins on a capturé une partie de la production de Rhys. Bon, visiblement ils m'ont pas vu. Ils ont pas l'air trop attentifs. Oula, il y a des méchants là-bas. Mais regardez-moi ça, on peut même utiliser l'eau pour se planquer. Mais après ça, osez dire que ce jeu n'est pas magnifique. Oula. Mais attends, il m'a vu là ou quoi? Ah, je crois qu'ils m'ont vu. Je crois qu'il est temps de fuir. Bon, on va pas utiliser toutes nos armes tout de suite, hein. On va essayer de se barrer. Surtout qu'ils ont pas l'air vraiment d'être du genre à discuter. Bon, les autres ne suivent pas. Lui, par contre, il n'a pas envie de lâcher l'affaire, visiblement. Putain, mais même en creep de base, il fait rien. Ok. On s'en est sorti de peu, mais on s'en est sorti. C'était pas exactement ce que j'appelle de l'infiltration, mais bon. Alors. Il faut qu'on aille voir Ilot. Alors, il nous a dit que Zéo, lui, il est loin. Mais Ilot, il nous a dit, va juste voir au nord. As-tu vu Ilot? Il faut que tu vas dans le sud pour le voir. Il est plus là. On dit, il faut que tu ailles, monsieur. Hein. Ça s'appelle le subjonctif.
Bon, il y a des méchants là-bas. Tiens, on va lui demander. Alors, je veux pas être méchant avec les développeurs, mais ils se ressemblent quand même un petit peu tous, hein. As-tu vu en dehors du color swap pour repérer les chefs. Cherche ce talent-là. Ce Talan-là. Est-ce que c'est lui, là? Non, mais évidemment, il fallait qu'il soit à côté des méchants, quoi. Alors, on va juste... S'il vous plaît, monsieur. On va juste vérifier si c'était l'autre. C'est lui, là-bas. Oh, merde! Non! Putain, il fallait évidemment que ce soit le mec qui se planque juste à... Oh là 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 là. Il fallait évidemment qu'il se mette là. Pardon mon pote, tu m'as pas vu. Bon, et quelque part, ça va peut-être les attirer ailleurs, là, mais... Bon, c'est bon, la musique, elle s'est calmée. Visiblement, on a dû réussir à s'enfuir. Bon, allez, deuxième essai. Hein, le premier, ça comptait pas, c'était juste de l'échauffement. Ou est-ce que je vais vraiment devoir les massacrer un par un? Peut-être que j'ai pas le choix et qu'il est toujours de ce que... Peut-être qu'il est toujours de ce côté-là et que je vais être obligé de faire un massacre, en fait. Ouais, bon, on va tester, hein. Alors visiblement, ils ont les mecs quand ils se prennent des balles, ça va, ça leur fait pas trop mal. J'espère juste que je vais pas cramer toutes mes balles. Oula. Putain, mais ils sont 150 000. Oula, je sais pas ce que c'est cette arme, mais ça a pas l'air de faire du bien. Ok, je crois que celui-ci il est bon. Ah, c'est bon, ils sont bloqués dans une texture là. Ah, c'est bon, on a tué le méchant, on a tué le gros. Bah, par contre, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de vie. Je sais plus le raccourci pour utiliser pour les medikits. Ok. Ok, c'est F3. Voilà. Oula. Il y a l'article de la mort là. Est-ce qu'il y a moyen de l'achever? Ah, non, c'est bon. Je peux pas piquer son arme? Non, non, visiblement, c'est pas possible. Bon, c'est pas bien grave, de toute manière. De toute façon, je sais, voilà, les armes, on les récupère chez les marchands. Et en les trouvant dans le jeu, voilà, on les récupère pas sur les ennemis. Bon, on va aller voir ce qu'ils avaient planqué dans leur mini-base, là. Alors, ok, des cristaux... Du métal, ça c'est cool, on va pouvoir se recréer des munitions. Un medikit. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, à la toute fin de la dernière vidéo, on en avait trouvé un dans l'eau et j'avais complètement oublié ce que c'était, donc en fait je l'ai utilisé. Et en fait il s'avère, alors je me suis senti con parce que voilà, le truc c'est que maintenant il est foutu, c'est à usage unique. Et en fait ça permet de créer un double... Ça permet de créer un double qui va, disons, attirer l'ennemi dans une mauvaise direction. Alors voilà, ça peut être utile si on veut faire l'infiltration, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on vient de faire, le gros bourrin. Et ça, je suppose que c'est quand on est sous l'eau. Bon, allez, Ilot. J'espère que, voilà, t'auras pas du stress post-traumatique. S'il vous plaît, monsieur.
toi. Ah, le mec, il veut pas me parler, là. Après, et quelque part, je comprends. Oui, je suis. Est-ce que toi aussi, tu cherches Nard? Ouais. Par contre, il a pas l'air bien. Comme j'ai dit aux soldats, je ne l'ai pas vu depuis des lunes. Je dois travailler, maintenant. Je crois qu'il cache quelque chose. Faut vraiment que je retrouve ton frère. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il revienne sain et sauf. Mais je crains d'être à nouveau battu si je ne termine pas ce champ à temps. Si seulement un chamas pouvait venir me soigner. Donc c'est vrai que le jeu, le côté exploitation et les espèces de castes, le système de castes, on a vu, voilà, les chamas Fae, chamas... Chamas quoi ? Chamas Ouli, quelque chose comme ça, puis et puis aussi les paysans, j'ai oublié leur nom. Ce système de casque, de caste, de voilà, de et surtout ce système très ordonné avec des, ça ressemble un peu à une culture de riz en fait ces trucs. J'ai souvent lu que voilà, il y avait des comparaisons entre l'univers de l'univers de Outcast avec la Chine médiévale. Ou éventuellement, voilà, l'Inde, avec surtout par rapport au système de caste. Bon, alors, on va aller voir le chamas, mais en attendant, on va demander à notre pote de nous faire des munitions. Comment ça, ressources insuffisantes? Bah attends, on a de l'hélium vert, et on avait du métal, je comprends pas, là. Bon. Ah, tiens. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y en avait une au début, là, quand on est arrivé. Il y avait un truc par terre, ouais. Oh, tiens, du métal, là, il y en a planqué derrière. Ah, bah voilà, là, on va pouvoir refaire des... On va pouvoir recommencer à faire des munitions. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Attends, est-ce qu'il faut que je sélectionne la clé, peut-être? Deux clés de porte. Oh, oh. Un F-Link. Alors là, il faudrait que je regarde dans le manuel. J'ai oublié ce que ça fait. Ça, c'est... je sais plus ce que c'est. Ah, des munitions. Encore un F-Link. Oh, des munitions partout. Bon, bah là, je pense qu'on est pareil, là. Le F-Link, je sais pas si c'est... Si éventuellement des trucs à récupérer dans ces... dans ces jars. Et surtout, je sais pas si ça pète ma réputation si je casse leur matériel. Ce que quelque part, je pourrais comprendre. Alors là, vous voyez en haut à gauche, c'est écrit level 0. Alors c'est vrai qu'il y a un petit aspect RPG au jeu, on peut améliorer nos armes, mais c'est un truc qu'on verra plus tard. Et puis je veux pas griller la politesse au jeu, les personnages vont parler de ça à notre place. Enfin, on avait pas trop de métal. On en a combien de métal? On a que 3 de métal, mais je sais pas ce que c'est en fait, ces trucs qu'on a trouvé là, ces espèces de coffres là qu'on trouve par terre. Je crois que c'était du métal. Ah, là, il y en a du métal. On va voir un petit peu encore s'il n'y en a pas. Non, ça, c'est juste un mec random. Là, il y a des méchants, là-bas. Non, on va pas les sprinter tout de suite. Ça devrait suffire. On va aller se recréer des munitions. On va aller parler au chamas. En fait, non, je vois qu'on est en train... On est à deux doigts de dépasser le temps qu'on a été imparti. Donc, je vous propose d'arrêter cette vidéo sur cette vue magnifique sur les lunes d'Adelpha. Mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez la formule. On se retrouve très bientôt dans le monde à deux lunes avec des portes de téléportation et du riz extraterrestre de Outcast. Allez, salut tout le monde.